Anne Waraud, adjointe administrative chez Spiritour. Tout ce qui tourne autour de la spiritualité, du développement personnel, de l'alimentation saine, du yoga, tout ça. C'est la Grèce, le voyage en Grèce où il y a une retraite de yoga justement. La partie yoga, propice au ressourcement et paradisiaque. J'aime ça que ce soit en Grèce. Non, absolument pas. Ça peut être une bonne manière justement de découvrir le yoga, d'y aller pas à pas avec une personne spécialisée. Oui, pas très régulièrement, mais ça me fait vraiment du bien quand j'en pratique. Moi j'ai une préférence pour le matin, mais ça dépend de chacun. Si on s'étire le mental en même temps, ça fait vraiment du bien. Oui. Pleine conscience, genre quand je marche, quand je fais la cuisine ou la vaisselle. La méditation juste en lotus, faire le vide à l'intérieur, ou les méditations guidées. Bleu, turquoise. Les toits des maisons, puis la mer aussi. Alors ça c'est une question que je n'aurais pas répondu. Mon dieu. La moussaka. Je crois qu'il y a des aubergines, ça ressemble à des lasagnes mais que avec des couches de légumes, puis de la sauce tomate, puis en tout cas c'est très bon. Montagne et mer. Plutôt montagne on va dire. Égal. Une personne qui, je trouve, est super inspirante, surtout en termes de yoga, elle a été pionnière au Québec, donc j'apprécie qu'elle ait apporté ça. Non seulement l'accompagnatrice, mais aussi le fait que ce soit en Grèce, ça combine deux choses pour rendre la retraite vraiment unique. Il me semble qu'il y a du fromage aussi.